Eh hey frérot, j'espère que t'as autant hâte que moi. Le clip Réaction Freestyle sera dispo le vendredi 18 septembre à 18h. Il sera du coup dispo sur toutes les plateformes de stream. En attendant, savoure le son Tema Habiba, dispo depuis quelques jours partout sur les plateformes de stream. Allez, bonne critique pas possible. Est-ce que 90% de mes dernières vidéos YouTube sont basées sur du Weshden? Oui. Est-ce que du coup, mes dernières vidéos YouTube sont basées sur du vide? Oui! Salam le monde, ça game pas possible, j'espère que vous allez bien! Ouais les gars, bien sûr, on se retrouve pour une nouvelle vidéo critique pas possible. Voilà, je vais me redonner à fond là sur cette série. Je sais que vous adorez cette série. Donc là, aujourd'hui, le sujet est... Bon, déjà, on va bien s'installer. Le sujet est évidemment Weshden. Alors bon, si tu ne connais pas Weshden, déjà, c'est que t'es un mec bien. Enfin, t'es une personne bien. Psartek, bien sûr, c'est la chanteuse du moment. La chanteuse qu'on voit partout, qu'on entend partout, qui tourne partout. T'es libre d'interpréter cette dernière phrase comme tu veux. Alors évidemment, si tu ne connais pas Weshden en détail, si voilà tu l'as entendu à peine déjà, bah, c'est que t'es en bonne santé et que voilà tu ne la connais pas trop, un petit portrait de la Weshden. Donc Weshden est née à La Courneuve, en Seine-Saint-Denis. Elle a vécu une grande partie de son enfance à Brunois, en Essonne. Bon, donc du coup, toute sa vie quoi. Oui, oui, parce que Weshden a 16 ans. Eh ouais les gars, Weshden n'a que 16 ans. Et bon, elle attend pas d'enfant, ça c'est déjà bien. Voilà, ceux qui ont la ref, vous êtes nés au moins en 95-96 et ça fait plaisir. Et évidemment, la jeune Weshden a percé hein, sur les réseaux sociaux, notamment sur le réseau social TikTok, et elle en a profité pour sortir ce tube Anissa, qui enregistre plus de 50 millions de vues sur YouTube et qui est surtout disque de platine depuis la mi-août. Par la suite, elle en a profité pour sortir le tube Coco, qui approche déjà les 30 millions de vues sur YouTube, c'est énorme. Et la meuf que tu fréquentes, figure-toi que je la coco. Tu veux me quitter, c'est mort, coco. Je veux plus tes efforts, coco. Bon, je vais pas revenir, bien sûr, sur ces deux tubes en détail. Hein, j'ai fait des vidéos réactions dessus et n'hésite pas à aller checker tout ça. Mais c'est vrai qu'il faut rebondir sur ce qu'elle a annoncé. Hein. Oui, Weshden, voilà, on profite. Elle a annoncé qu'elle allait sortir un album, voilà, le 25 septembre, si je me trompe pas. Ouais. Et comment l'annoncer? Eh ouais, parce qu'il faut pas l'annoncer de n'importe quelle manière, c'est Weshden quand même. Eh bah ouais. Eh bah du coup, on l'annonce comme ça. Française, français, nous y sommes. Le 25 septembre sortira mon premier album, intitulé 16. Après m'être fait tromper par mon coco, trahi par ma cousine, j'ai même rendu des caleçons sales. Non, non, non. Nous sommes en guerre. À partir de maintenant, il est interdit de parler à toutes les Anissa, car je m'appelle Weshden. Il est aussi interdit de streamer toutes les autres artistes. Attends, c'est un peu de la dictature là, madame la présidente. Hors de ma vue. Mais moi, tu vois, moi je suis le genre de gars, quand je vois ce type de choses, en tout cas, je suis toujours dans le délire de comment ils ont eu cette idée-là. Tu vois, moi, je m'imagine toujours, tu vois, c'est une petite réunion, un petit brainstorming, tu vois, quelque chose. Pour comment ça arrivait là, tu vois? À quel moment ils se sont dit, voilà, on va annoncer l'album de cette manière? Comment? Ah ouais, Weshden, on fait comment pour annoncer ton album, du coup? Tu fais quoi? Tu mets un truc en snap ou alors story Insta sympa? Non, voilà, ça va pas ou quoi? Mais moi, c'est quoi? Moi, on va faire quoi? Je vais faire genre la présidente de l'état du continent de la France. Voilà. Et tu sais, je vais faire un discours, Zama, un discours, tout ça. Même on rajoute une chicha, voilà. Tu sais, dans le château du président, là. Comment ça s'appelle? L'Elysée. Bah ouais. Et ben, voilà, l'Elysée de la France en barre à chicha. Voilà. On va. Coco. On va y réfléchir, ouais. Bon. Coco. Du coup, comme j'ai dit, hein, son album va sortir le 25 septembre. Donc le nom de cet album, hein, c'est 16. Voilà, bien sûr, en référence à son âge et pas au nombre de mots maximum qui seront disponibles dans cet album. Ouais, je suis méchant comme mec. Mais sinon, les gars, vous savez qu'avant Anissa et le tube Coco, Weshden, elle avait sorti deux clips. T'étais pas au courant. Eh ben voilà. Heureusement que le HPP, il est là. Voilà. Je sais que tu t'en bats les couilles, mais je te le dis quand même. Alors, le tout premier clip de Weshden, c'est le clip J'attends. Voilà, peut-être que c'est en référence, peut-être qu'elle attendait son prof de français particulier qui venait lui faire des cours, tout ça. C'est de la merde comme van. Alors, ce clip, sorti en fin d'année 2019, parle d'une histoire d'amour, hein.
Oh, Weshden qui parle d'amour. Non, non, alors là, non. Weshden qui parle d'amour? Non. Là, je ne veux pas y croire. Et du coup, son mec, comme on peut voir dans le clip, se fait arrêter. Et il s'est passé, en fait, quelque chose d'énorme hein, dans l'arrestation. Voyez l'extrait et on en juge après. Hein. Je t'avais déjà dit ce que je pensais de toi et tes actes répétés. T'as réussi à tout faire chambouler. Donc oui. Son mec hein, se fait arrêter et elle, ce qu'elle trouve de cool, voilà, c'est de chanter et danser à côté. Alors moi perso, hein, on va prendre dans mon cas, je me fais arrêter et on va dire ma meuf, ma pseudo meuf, enfin, ouais, bref, elle chante et danse à côté, j'ai envie de lui dire casse-toi meuf, qu'est-ce que tu fais là, pourquoi hein. Moi j'aurais bien voulu voir par exemple dans l'arrestation d'Adnemo, NOS qui chante, voilà, ODD. Tu vois, je sais pas, un truc, quelque chose, mais je sais pas si ça serait passé en vrai. Et au passage, dans le clip, elle est, je pense, avec ses potes, hein, voilà, mais, excusez-moi. Y a rien qui vous choque, là. Ouais, là, c'est une pub pour Adidas, il y a les survêtements de toutes les couleurs. Alors, pour moi, dans un premier temps, je croyais que c'était les Teletubbies, en fait, ou alors peut-être les Power Rangers à Warzazat, je ne sais pas. Et aussi dans le clip, bon, après, on passe à l'autre clip, mais dans ce clip-là, j'attends, il y a aussi un autre truc qui m'a chafouiné, enfin il y a quelque chose qui m'a dérangé, hein. Vous me dites si vous voyez la même chose, mais extrait. L'amour est censé reconstruire plus que détruire. Y'a rien qui... Extrait. Censé reconstruire plus que détruire. Le micro, il est branché où? Ah ouais, mais mon gars, on a le souci du détail. Le micro, il est branché où, frérot? Non, non, c'est pas crédible. Moi, je mets mon micro comme ça dans la rue. Ça ne marche pas. À vous, tu t'attendais que je fasse une scène pareille dehors avec un micro. Mais j'ai pas, en fait, parce que j'ai pas le même matos. Enfin, j'ai... Ouais. Sinon, au clip sorti par la Weshden, hein, c'est le clip Je peux dead, et ça parle de quoi? D'amour! Oh là là, la meuf a 16 piges. Je te jure, franchement, elle a vécu des trucs de ouf, quoi, en amour, quoi. C'est... Waouh, quoi. C'est... Même Vita, à son âge, à l'âge actuel qu'a Vita, elle a pas vécu des trucs comme ça. Hein. Bon, ce clip-là, ça va, il est pas mal. Mais bon, il y a quand même une petite scène qui m'a interloqué. Hein, et je... Voilà. Il y a quand même un truc. On peut se remettre en question sur le... Voilà. Extrait. Je ne demande pas de m'en aller. Je suis désolée. Là, je suis piquée. Ça fait quelques mois. Alors, moi, je veux qu'on éclaircisse le bail, quand même. Excusez-moi, mais... Est-ce que vous trouvez ça normal, quand même, qu'un gars, il est en quad, et il va aller chercher une meuf en quad? C'est-à-dire que, voilà, normalement, tu viens, petite bagnole, propre, tout ça. Bon, en général, c'est en location, tu connais. Mais voilà, un truc propre, classe et tout. Et tu te dis que là, en fait, juste un quad, ça suffit, quoi, pour aller prendre la meuf et tout. Donc, c'est... Ouais. J'ai un petit coup de fil à passer, hein, vite fait. Ça prend deux secondes. Excusez-moi. Mais après, je continue. Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, ça serait concernant la location pour les quads. Oui, en début d'après-midi, c'est possible? Donc voilà, vous savez tout, en tout cas presque tout sur Weshden. N'hésitez pas bien sûr à liker un maximum la vidéo, à partager et à vous abonner à la chaîne YouTube Hakim Pas Possible. N'hésitez pas bien sûr aussi à me rejoindre à travers tous les réseaux. Et comme d'habitude les gars, et surtout, oui, Weshden... C'est juste une critique. Pas possible, certes, mais juste une critique. Bref, les gars, c'était Hakim Pas Possible. Je vous laisse, je vous aime et je vous fais la fucking bière.